Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose l'ouverture d'un cylindre Bricard Block 2. Donc le cylindre à paillettes, 14 paillettes à placer, 7 en haut et 7 en bas. Voilà, donc utilisation d'un entraîneur fait maison. J'avais bricolé cet entraîneur spécialement pour les Block 2. Bon, le problème, c'est que je m'en sers plus souvent à l'envers, hein, parce que là, il est fait normalement pour s'en servir dans l'autre sens d'entraînement. Voilà, et donc du raclage hein, avec comment dirais-je un pic le corbeau incurvé. Bon, c'est celui avec lequel j'ai les meilleures sensations sur ce type de cylindre. Voilà, donc gratouillage léger hein, et ça se met en place tout doucement. On voit que l'entraîneur a déjà bougé, qu'il est descendu légèrement. Alors on insiste tout doucement, hein. La pression est très légère, la pression sur les paillettes également. Voilà. Allez, encore un petit gratouillis, je pense que ça, on a pas mal avancé là. Donc je gratouille en haut et puis après je gratouille en bas hein, pour mettre les paillettes. Alors il faut bien savoir que les paillettes n'ont pas de ressort. Hein. Voilà. Donc là c'est crocheté. Alors le problème c'est qu'avec la gravité, si je passe le demi-tour, eh ben, mes paillettes vont redescendre, donc je vais être bloqué. Donc là j'utilise un petit plug spinner de haute technologie. Hein. Donc simplement un entraîneur et un élastique. Hein. Voilà. Comme il n'y a pas de ressort, ça va tout seul. Voilà, donc le demi-tour est passé, l'entraîneur est foutu le camp, on s'en fout. Et le tour complet a été fait. Voilà.